Eh ben allez, c'est parti. Comme le dit le chrono, c'est parti pour nous, c'est parti pour vous. Bienvenue, merci. Bonjour. Ça fait plaisir de voir que sur un sujet peut-être un peu improbable, il y a autant de gens qui fassent comme s'ils étaient intéressés. Donc on va voir si c'est vrai. On va pour tester nous ça. En fait, c'est pour nous, ça. Je pense. Nous, on est intéressés voilà. En fait, donc c'est déjà bien. On va le faire pour nous et puis on espère que ça va vous plaire, évidemment. C'est ça. Rapidement. Donc, je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur advocate chez OVH Cloud. Je suis organisatrice de conférences, Docker Captain, CSF Ambassador. Et surtout, très important, je fais du Go depuis des années et je suis une quiche, une vraie bille en électronique. Et toi ? Alors moi, je suis un peu moins quiche en électronique. Par contre, Go, clairement, c'était pas ma came du tout. Ça l'est toujours pas. Mais je suis aussi développeur advocate et j'ai l'immense chance de travailler avec une star internationale. Merci. Mais c'est la vraie classe, hein, André. Et voilà, j'ai des petites activités. Peut-être une à noter, c'est Mixtine, une association sur Lyon où on fait des ateliers autour du numérique, de l'initiation au code, mais pas que. Parce que le numérique, ce n'est pas que du code. Et puis, pour toutes les autres questions, vous pouvez aller sur le Naughty ST, vous pouvez me joindre. Si vous voyez quelque part, Titimobi, globalement, depuis 1996, j'ai pas eu de conflit, à part sur les plateformes américaines qui filtrent sur le début du mot, on en parlera tout à l'heure. Mais sinon, c'est moi, si vous voyez un Titimobi. 1996. Voilà. Et on va vous expliquer un peu pourquoi mon côté pas très go et son côté pas très électronique a réussi à se croiser à un moment donné. Exactement. Pour moi, ça a commencé en 2018. Ça avait absolument rien à voir. C'était mes débuts en tant qu'organisateur du Google Developer Group à Lyon. Et on avait à peine démarré. On s'est dit, il y a un GDG Summit où les équipes des GDG d'Europe se réunissent et puis on partage nos expériences. Tu vas voir, c'est sympa et tout. Et au milieu de tout ça, il y avait Ron Evans. Voici Ron Evans, qui est quelqu'un d'extraordinaire, mais de complètement barré. Il n'y a pas d'autre mot. mais d'extraordinaire, je le répète, parce qu'en plus c'est filmé, qui faisait un atelier pour animer au milieu de tout ça, et il venait présenter un langage dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, ni Go, ni TinyGo. Il faisait un atelier avec une petite carte voilà, en haut à droite, donc je faisais pas mal d'Arduino à ce moment-là, donc il m'a attrapé avec Arduino, et puis je me suis retrouvé à faire du Go. Pour être tout à fait franc, sur la séance d'une heure, j'ai surtout fait une pull request, parce que ça marchait pas ce jour-là, mais j'ai appris plein de choses. Et puis ça a continué. Alors du coup, 2020, il s'est passé 2-3 bricoles dans le monde. Moi perso, quand je suis parti en vacances, j'ai juré à ma femme qu'on allait faire de la randonnée et que j'allais pas amener de matériel pour coder parce que c'est pas bien. Donc j'ai pris juste un iPad parce que un iPad ça code pas. Et puis en fait, si c'est là où j'ai découvert GitPod, salut Jean-Philippe. et j'ai essayé de voir un peu, d'apprendre un petit peu tout ce qui était Go. J'ai fait Exercisum, j'ai fait ce genre de choses. Et puis j'ai créé des petits articles. Et puis à un moment donné, tout ça s'est croisé. Je me rappelais de cet atelier, j'avais fait un peu du Go et tout ça. Et c'est là où j'ai découvert TinyGo. Et donc, pareil, l'été 2021, j'ai dit, je vais refaire la petite série d'articles. Ça prend pas beaucoup de temps le soir. Je faisais réellement mes randonnées la journée. Et comme je faisais pas mal de choses avec les produits de chez Adafruit, ça s'appelle une Pi Gamer. Ils avaient fait un badge qu'on pouvait balader en conférence et ils en avaient fait une version, une petite console, et on pouvait la programmer en TinyGo. Donc j'ai commencé à écrire des articles cet été-là, et il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai eu des discussions avec quelqu'un d'autre. Bizarre. Alors quand t'as moi en janvier 2020, je suis tombée sur un tweet et j'ai vraiment eu un moment waouh. Des gophers sur une GBA. Trop bien, c'est trop cool. Alors, je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais une longue to-do list comme le bras, mais j'ai quand même pris le temps de regarder la vidéo en replay et je me suis promis de regarder ça quand je le pourrais. Un an plus tard, j'ai commencé une série d'articles sur Go. En gros, c'était donc à chaque article, créer et expliquer comment créer une application en Go très différente à chaque fois. Je vous conseille. Moi, j'ai vachement appris pour aller sur de la CLI. Ça marche bien, ces articles, en fait. Ils bluffent pas, en fait.
gentil de dire ça. Et en août, pendant mes vacances, j'ai enfin pris le temps de tester, de faire des expérimentations. Et comme d'hab, quand je teste quelque chose, j'ai des erreurs et je ne les comprends pas. Ce qui est vrai. Donc j'ai beaucoup embêté Conejo, qui est Daniel Esteban, et dont on vous en parlera un peu plus tard. Je l'ai beaucoup embêté, surtout par email. Que je ne connaissais pas à l'époque, mais pour la petite histoire, en 2018, au fameux atelier, il était déjà là. Il assistait Ron Evans, il finissait sa thèse. Et ah ouais. Je l'ai juste croisé ce jour-là. C'était assez rigolo. Et du coup, après, tu vois, j'ai fini par réussir, tant bien que mal, à créer ma petite application, mon petit jeu, et j'en ai fait, du coup, un article. Article qui, à ma grande surprise, a été beaucoup relayé sur les réseaux et dans d'autres talks. Elle est souvent surprise par la qualité de son travail, en fait. Bah oui. N'hésitez pas à lui dire. Donc voilà pour ma petite histoire. Maintenant, on va parler de TinyGo. TinyGo, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est? Bah, TinyGo, en fait, c'est un compilateur Go qui a été conçu à la base pour les microcontrôleurs. Il supporte actuellement 94 boards, cartes très différentes, et il permet de produire du code pour WebAssembly de manière très compacte. TinyGo, et bah, le tout premier commit a été fait donc en 2018, donc peu de temps avant que tu le regardes, en fait. Ce qui explique pourquoi c'était pas tout à fait sec, on peut comprendre, c'était un peu jeune. C'était du coup très jeune. Et l'évangélisation a alors été portée par Ron Evans. Et bah, vraiment, en fait, depuis le 3 février 2019, TinyGo est mis en avant tous les ans au FOSDEM. Il y avait même une room cette année. Tous les ans, ouais. En plus de la room Go, il y avait cool, une room TinyGo. Quoi. Ah, c'est vraiment classe. Et du coup, moment-là, en fait, c'est vraiment tous les ans, c'est, bah, on va dire, le moment. C'est le moment qui est idéal et très important pour TinyGo. Et du coup, et là, on se rend compte que vraiment l'évolution a commencé, alors que la première 0.1, en fait, elle était fraîchement, en fait, sortie. Non, les numéros de release des projets open source. 0.1, normal. Et du coup, toujours au FOSDEM, TinyGo devient un projet sponsorisé par Google. Et l'arrivée de WebAssembly, du coup, confirme son succès. Et du coup, 5 ans et demi plus tard, quand même, le repo en est à 14 000 stars. Ça va quand même. On va vérifier, j'avais mis à jour. Ça va vite. Et en fait, pour information, donc on était à 13,8 il y a quelques mois, donc du coup, ouais, ça va quand même très vite. C'est cool ou pas? Évidemment. Et du coup, c'est à toi de jouer maintenant. Ouais, voilà, dès que ça devient un peu... Ah bah ouais, attends. Voilà. Ouais. Je vais faire comme si je savais de quoi j'allais parler là tout de suite, je suis vachement à l'aise, ne vous inquiétez pas. On va essayer. Au passage, je dessine pas super bien, mais moi, l'IA, ça m'a quand même vachement apporté des trucs pour mes slides. Hein. J'avoue, hein. J'ai pas son talent graphique, donc on fait comme un peu, mais je trouve ça chouette. C'est quand même, pour vous parler d'une filiation évidente derrière le projet TinyGo, il y a bien sûr le projet Go, mais dès le départ, s'il y a eu cette création de projet, c'est que ça n'était pas possible de continuer de contribuer à Go pour cet objectif-là, en tout cas dans un premier temps. Depuis, ça a un petit peu changé, il y a des choses qui reviennent dans l'autre sens. Et surtout, j'ai envie de dire, on n'est pas prêt de voir disparaître TinyGo pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, Go, comme beaucoup de langages, son objectif, au moment où il va compiler, ça va être d'optimiser dans un souci de performance. Donc il y a des choix qui sont faits en visant la performance. Quand on parle des microcontrôleurs, on a certes un souci de performance, forcément,
Mais avant d'avoir un souci de performance, je vous garantis, et là je peux vous parler aussi de MicroPython, CircuitPython, même le C de Arduino, vous allez avoir d'abord des soucis avec la mémoire, généralement. Et tout ce qui est stockage, d'une manière générale, sur les microcontrôleurs, c'est le premier souci que vous allez avoir. Du coup, côté TinyGo, on a essayé de se soucier d'abord du sujet du stockage. Donc il y a le côté, certes, optimisation des types, on va faire attention à la gestion de tout ce qui est statique. On va le ranger de telle façon à ce qu'au moment où c'est flashé, il y a des zones un peu particulières de mémoire sur une carte, enfin, ce genre de choses. Donc le premier souci, c'était Go est plutôt axé performance, en tout cas dans sa recherche de compilateur, et TinyGo va plus chercher le côté espace, ce qui explique pourquoi WebAssembly est apparu au bout du compte. C'est-à-dire que Go s'est compilé du WebAssembly, comme TinyGo continue de suivre ce qui se passe au niveau de Go, puisque ça communique évidemment dans les deux sens, l'optimisation d'espace est devenue une priorité côté WebAssembly, et du coup on obtient des binaires beaucoup plus petits. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, mais sur le résultat final, c'est-à-dire que pour ce genre d'exemple assez simple, vous doutez bien qu'il y a un certain nombre de composants standards, d'éléments standards que le compilateur va conserver dans le cadre de Go, qui ne vont pas du tout être conservés dans TinyGo. On essaie d'enlever au maximum les références de tout ce qui n'est pas utile. Et ouais, voilà, quand je dis qu'on est, on est sur un écart... Avant-après, quand même. Voilà. Qu'est-ce que... Thierry, c'était quoi ça? Ben, j'ai joué avec une IA. Il n'a pas dit ça à la répétition, en fait. Elle est un peu comme moi, l'IA. J'ai regardé ce qu'il y avait derrière TinyGo et pourquoi ça marchait. Elle a vu comme quoi ça. Ton IA, là? Ouais. Elle est un peu comme moi aussi, je pense. Là, pour tout vous dire, au passage, je lui ai juste dit. En fait, j'ai compris qu'il y avait LLVM derrière tout ça. Je voudrais que tu me fasses un schéma avec 4 cases. Il y a un GoFile qui est la source au départ. Il y a un compilateur, puis il y a l'aspect LLVM qui va permettre de spécialiser en fonction de la cible. Et au final, vous avez un binaire. Et je lui dis ça et en précisant mon prompt, en lui disant surtout, tu fais une seule flèche à sens unique entre chacun des carrés. C'était pour et vous rappeler que... Et ça donne ça, en fait. Voilà. L'IA, c'est top, mais il faut des fois contrôler le résultat, parce que ça fait ça aussi quand vous ne vous en rendez pas compte, en fait. Voilà. Mais blague à part, ce qu'il voulait essayer d'exprimer, ce pauvre petit chat GPT sur ce coup-là, ce pauvre Dali, c'est que tout ce qu'on a expliqué, ouais, je sais pas d'où sortent les noms, j'ai fait le prompt, j'ai coté, j'ai fait le maximum et ça marche généralement, hein, j'en ai d'autres, des schémas plus classiques qui marchent bien, mais là non. Ouais, là il y a un côté Pokémon. En même temps, il avait dû sentir le truc, compilateur, toi, il en sait plus que moi sur ce que j'étais en train de faire probablement. C'était juste pour vous parler que l'architecture qui est derrière TinyGo, le point qui est vraiment intéressant et qui a fait que ça a vraiment décollé, c'est le fait de se baser sur LLVM. Et LLVM, le principe, c'est d'assister toute la phase de... Alors, on a compilé et puis il y a le moment où on fait le linkage. Et surtout, LLVM va proposer vraiment plein de cibles. Et dans les cibles, c'était beaucoup plus simple pour adresser les architectures différentes de chaque microcontrôleur. Et quasi par accident, le fait que ce soit comme ça, le fait que ce soit de la production de binaires de petite taille, WebAssembly a été relativement simple, en tout cas, à implémenter par rapport au reste. Voilà. C'est pas très compliqué à utiliser. Il y a une documentation. Vous aurez tous les liens qui sont dans les slides à la fin, pas de souci. Voilà. L'installation est quand même pas ultra complexe. Au passage, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait un truc qui s'appelait Scoop. Windows, qui permet de gérer un système de package qui a l'air plutôt bien marché. Sinon, il y a évidemment des installations binaires, on peut compiler, il y a toutes ces possibilités-là. Moi, perso, je suis sur macOS, donc c'est assez tranquille et ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Puisque l'idée, c'est d'avoir l'outil TinyGo installé, c'est un peu votre outil à tout faire. Certes, c'est essentiellement l'outil qui va faire la compilation, mais comme on va le voir après, il va servir à toutes les autres étapes. Commence un par peu le démo quand même, non ouais, Royal en plus, on va faire de la démo. Matériel. On va commencer par mon joujou favori. Et parce qu'on est à Touraine Tech et on recule devant aucun élément supplémentaire, oui. Je vais demander si mon petit assistant est disponible. Assistant. Puisque j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un extraordinaire assistant tu viens avec nous, présent dans la salle. Si tu veux bien venir deux secondes, ouais. Pendant que je vais parler de ce qu'on va faire. Limbo, lui a fait. Tu as le temps, vas-y, tu nous rejoins, t'inquiète. Pendant ce temps, je vais parler de ce qu'on va faire. Donc, on va vous le montrer tout de suite, mais cette petite carte-là, si vous ne connaissez pas, je vous conseille
que ce soit pour des enfants ou pour des initiations avec des adultes. C'est une carte qui a été conçue, alors coordonnée par la BBC en Angleterre, mais sur demande du gouvernement anglais, qui voulait relancer un petit peu les programmes d'apprentissage de l'informatique, du code, tout ça. Mais viens avec nous. Pendant que je finis d'expliquer, tu vas regarder. Il y a un câble, et ici, quelque part, il y a un branchement que tu vas trouver, tu vas pouvoir mettre le branchement dedans. Tu regardes comment je suis sûr que ça va bien se passer. Tu cherches, tu as ton temps, il n'y a pas de souci. Et on pourra repasser sur la caméra, je pense, pendant ce temps-là. Et donc, ça a été créé en 2016, cette petite carte. L'intérêt, c'est qu'il y a 5 lignes de 5 colonnes de LED. Donc, ça a tout de suite un côté sympa. Wow. Voilà, du premier coup. Nickel. Vraiment. Et ce que tu peux faire, là, tu as la caméra. Donc, tu peux essayer de le mettre. Montre-la, tu vois, et on voit la caméra qui est juste sur le côté, là-bas. Tu la vois ? Ah, impeccable. Tu peux même la remonter un peu pour qu'ils voient bien, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, ils y voient pas très bien des fois. Bah ouais, tu vois. À commencer par moi. Trop bien, non ? Impeccable. C'est super. Merci beaucoup. C'est Noé, oui, c'est ça ? Merci beaucoup. C'est ça ton prénom ? Ouais. Merci beaucoup. Merci bravo. Beaucoup. Merci beaucoup. Noé. Et promis, hein, tu passes me voir après, on va s'arranger, on va trouver quelque chose de sympa. Merci. Donc voilà, la preuve que c'est pas. L'idée c'était ça, c'est vraiment d'avoir l'objet le plus simple et le plus facile à appréhender, d'avoir les petites LED, vous en voyez une là qui clignote. Ça permet de faire des petits emojis. En 5x5, on a déjà une expressivité vachement intéressante en fait. Et alors l'outil de base est un outil normalement de type Scratch avec des blocs qui permettent aux enfants de démarrer tout de suite. Il y a quand même un accéléromètre dessus, donc vous avez des notions de position et de déplacement avec. Sur la Stella V2, il y a même un petit buzzer, on peut faire du bruit aussi avec. Je vous conseille un atelier avec une vingtaine d'enfants. C'est un oui, plaisir. Oui, vous oui, allez oui. découvrir des musiques que vous ne vouliez pas découvrir. Il y a deux boutons, donc il y a une interface utilisateur, on peut faire des choses avec. Et il y a vraiment plein de lui projets. Aussi, je crois, maintenant. Comment ? Lui, là, celui-là. Oui, exact. Le logo oui. Sur la V2 est devenu une zone contact. Nuit, donc, jour, tu peux faire, toi. Nuit, jour, nuit, jour. Voilà. Donc là, vous avez vu ce que ça donne. Un peu, quand même. Allez. Mais on va quand même vous montrer si vous êtes tous. Attendre que ça, à mon avis. Presque aussi compétents que Noé. Et donc, je mets mes lunettes parce que je vous ai dit qu'il y a un âge où on arrête de déconner. Un ami âgé, on l'appelle, donc c'est voilà, pour ça. Voilà, c'est probable. C'est probable que ce soit moi. Hop. Pareil, tous les exemples que je vais vous montrer. Il y a deux catégories dans les projets que je vais vous montrer. Il y a un repository qui s'appelle TinyGo Exemple. Qu'on a rédigé avec Aurélie sur les trucs qui n'étaient pas présents côté TinyGo. Et on voulait leur proposer d'avoir ça pour les débutants. Pour l'instant, on n'a pas eu de gain de cause, mais on est un peu têtu. On va trouver un moyen de rentrer on par la fenêtre. On est très têtu, je crois. Mais depuis, et on en parlera juste après, il y a un autre objet qui est apparu dont on va parler. Toujours est-il que vous aurez tout ce code, tous ces repositories. Donc ce que vous avez à l'écran, et qui n'est peut-être pas très gros, je suis en train de me rendre compte. Ouais, on va agrandir un peu. Thème blanc ou pas ? Ouais, je vais mettre le thème blanc. Hop. C'est exact. Ouais, ouais. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les débutants et les professionnels. Je vous laisse deviner où je suis. Ah, voilà. Un peu mieux, non ? Ouais, c'est... Voilà. Nickel. Ça commence à être un peu lisible. L'objectif, c'est bien sûr pas que vous repartiez en sachant très tout de suite côté du TinyGo. On veut garder un peu de magie de notre côté et puis faire croire qu'on est vachement balèze. Mais en tout cas, si vous avez déjà codé en Go, je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est clair, je pense. Vous avez la partie tout en haut qui va vous permettre de faire vos imports. Au passage, c'est un projet séparé qui va, alors ils l'ont appelé, je ne sais pas pourquoi, X/drivers. Okay. C'est driver au sens très très large, c'est tout ce qui sort du microcontrôleur, donc il y a vraiment énormément de choses autour. Mais en tout cas, c'est ce qui va permettre, par exemple, là, de piloter la LED. Ça fait partie de ce package-là. Et après, voilà, ça s'écrit comme un Go assez naturel, je pense, pour ma petite expérience de jeune développeur Go. Des fois, je suis débutant, j'aime bien. Et voilà, pour faire clignoter, finalement, on essaie de lui faire croire qu'il a un écran, un display, c'est peut-être un grand mot, mais 5x5, c'est votre écran, c'est votre interface. Et puis ben voilà, là la configuration est extrêmement simple, mais évidemment vous pouvez aussi programmer des bandes de LED néopixels beaucoup plus grandes, beaucoup plus complexes. C'est simplement un objet de configuration qui passera à cet endroit là. Ils essayent de faire des efforts sur la cohérence des API. C'est aussi un domaine où il y a encore un petit peu de taf, ouais. Parce que ben, quand tu as plein de jouets sur ta table et que tu as la capacité à créer le code qui va avec et vite, des fois bon.
Il y a encore un petit peu des choses, vous verrez dans les exemples. Là, pour la petite histoire, si vous avez le repository que vous voulez tester, il y a des cartes microbit V1 et V2, et malheureusement, il y a une petite différence dans le code qui fait qu'il y a une API qui a légèrement changé. Donc voilà. Pareil, je suis têtu, voilà. Je les aurai, et on arrivera à faire une seule API rapidement. Pour une première démo, tu montes la démo ? Je pense que ça va pas mal. On va montrer la suivante. Ouais. Bah, tu l'as pas montré là, du coup, la démo ? Ouais, mais je vais quand même montrer de quoi on parle avant, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Qu'est-ce que c'est du coup microbit ? Ouais, ça, il y en a qui ont fait les curieux, qui sont venus voir, et puis on va raccrocher les wagons avec un petit peu tout le reste. Ce que vous voyez sur le côté, alors c'est la petite, voilà, cette charmante petite bestiole, puisque Go a une mascotte dont je suis jaloux. Je suis preneur de toute forme de mascotte, j'adore trop ça. Et c'est quelque chose qui a été conçu, on revient à Conero, Daniel Esteban, qui a bossé avec deux électroniciens en fait, pour élaborer ce projet. L'idée, c'était de faire alors quelque chose de fun, évidemment, on reprend la mascotte, mais surtout d'avoir un maximum d'éléments électroniques concentrés sur cette carte, un peu dans l'esprit de la microbit, mais pour des usages plus avancés. Et surtout, d'essayer d'accueillir les débutants avec un tas d'exemples de code qui vont exploiter tous ces éléments. Donc, vous avez un petit projet. Ça reste une initiative à lui. Je le remercie. Merci, Daniel. Pour m'avoir fait confiance et m'envoyer ça alors qu'il n'avait encore pas décidé de les vendre. Mais j'ai tellement saoulé qu'il a fini par me la vendre. Et depuis, il en vend régulièrement, notamment au FOSDEM et tout. C'est une super carte. Le boulot est super propre d'un point de vue électronique. Et du coup, je comprends qu'ils aient eu ce soin sur l'électronique parce que ça se ressent dans la partie logicielle. Ça tient bien la route. On va vous montrer tout de suite ce que ça donne. Parce que si vous êtes comme moi, quand j'ai un jouet, je veux jouer avec. Hop. Et vous inquiétez pas, on va vous la montrer, cette GBA, vous inquiétez pas. Je vais laisser la professionnelle s'en occuper GBA, après, vous inquiétez pas. Non mais vraiment, cette carte, je trouve qu'il y a eu un... Elle est top. Il y a un écran, il y a des boutons, il y a un accéléromètre, il y a des... je peux peut-être vous le montrer directement là. Ouais. Il y a ce genre de prise qui permettent de brancher des capteurs sans commencer à rentrer dans tout de suite de la soudure, ça fait peur. Je vous jure que la soudure, c'est un vrai kiff. Je vous conseille. Moi, ça vaut une demi-heure de soudure, ça me fait une heure de méditation, il n'y a pas de souci. Même quand tu crames des trucs ? Même quand je crame des trucs, je ne fais pas de... Et du dossier, donc. Il est probable qu'il y ait quelque chose en moins sur le stand OVH qui était prévu et qui n'a pas fonctionné comme prévu. C'est pour ça. 12 volts et 5 volts, c'est pas pareil. Ouais, bah, tu peux te marrer, mais c'est vrai. Il y en a qui ont... Il y en a qui ont essayé. Essayé et... Ça n'a pas été un grand résultat. Ça fait pchit. Pourtant, c'est costaud, les Arduino. Hein. Mais il y a un moment, il ne faut pas... Ça n'a pas marché. Loin. Alors, hop. On va aller l'étape... Parce que maintenant que vous êtes des développeurs embarqués, aguerris, ouais, on va vous montrer tout de suite un exemple beaucoup plus costaud. Hop. Et... Alors, c'est pareil, là, c'est pas très... Voilà, c'est un peu plus gros. Ah, mais je vois qu'il y a des gens qui ne voyaient rien, en fait. Je me mets le A. Il ne faut pas faire les timides comme ça. Hop. Comment ça marche, du coup, Thierry ? Donc, je voulais montrer quand même au passage, on en a parlé tout à l'heure, l'outil TinyGo, il est aussi équipé pour s'adresser aux différentes cartes, en sachant que c'est quand même un des points les plus délicats. Toutes les cartes ne sont pas aussi user-friendly, et des fois, pour accéder... à l'équivalent, alors c'est souvent un port série à l'arrivée, hein, au final, ce qui va être manipulé, mais la connectivité d'un point de vue driver, elle n'est pas toujours super souple. Et là, par contre, je trouve que TinyGo a fait un boulot remarquable. La petite instruction Flash va vraiment vous permettre de vous adresser à toutes les cartes là, qui sont supportées. Flash, bien entendu, si ce n'est pas compilé, elle fait l'étape de compilation avant, elle va vous permettre de faire tous ces trucs-là. Je pense que tu le montres après, quand on fait juste la build et tout. Bon. Donc il y a aussi des outils quand vous voulez juste compiler à destination d'une autre cible pour une autre raison. Tac, je vais essayer, mais ça va être dur de montrer les deux en même temps, mais je pense que je peux quand même si je réduis l'écran en même temps. Hop, en même côté temps. Du... En même temps, je vais faire comme ça. À droite, tu vois. Voilà, hop. Je fais celle-ci, elle clignote pas trop. Un effet démo, donc. Non, mais il n'y a pas d'effet démo, c'est juste embêtant de ne pas avoir les deux en même temps. Voilà, il est censé avoir fini. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est normalement à ce niveau-là. Hop.
Voilà. Ça arrive. Parce que c'était pas rigolo d'avoir un truc qui clignote automatiquement. Maintenant, j'appuie sur un bouton pour faire clignoter. C'est fou. Normal. N'empêche, vous venez d'apprendre à utiliser les boutons au passage. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Alors. Ça, c'était un exemple aussi assez simple. Je ne vais pas tous vous les montrer. Donc, On n'a pas 2 heures, on a dit ? Ouais, mais tu vas me faire la gueule si je ne te laisse pas montrer ce que tu veux démontrer après. Puis ils vont faire la gueule eux aussi parce qu'ils n'ont pas vu. La GPA, c'est bon. Les GPA. Ça va, quoi. Hop. L'autre exemple. Hop. Ça y est. Ouais. Wow. Hop. Voilà. Donc, attention quand même. Au-delà du fait que c'est sympa, ces deux yeux. Attention quand même. Techniquement, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des LED où on peut programmer la couleur. Il y a une possibilité d'émettre sur un canal data. Vous émettez les données qui vont lui dire en fait quelle composante de couleur vous allez vouloir utiliser. Vous avez une palette qui est beaucoup plus intéressante de couleurs. Hop, mais pour autant, ce n'est pas coup, ouais. Ultra compliqué, sauf quand vous avez un écran comme ça, c'est un peu plus dur. Mais vous allez retrouver, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez piocher dans le package sur les drivers, vous allez piocher ce qui vous permet de manipuler ce genre de LED. Je ne ferai pas de commentaires sur la déclaration des constantes en Go. Vous définissez les variables couleurs. Non plus. Les variables non plus. On ne juge pas. Attention. J'aime faire du Python. Je sais qu'à chaque fois, ça ne plaît pas. Bon, bah, c'est comme attention. Chacun ses plaisirs coupables. Et voilà, on retrouve les mêmes principes que tout à l'heure, puisque vous allez vous baser sur le package qui permet de manipuler. Alors ici, c'est un package que vous allez retrouver dans tout TinyGo. C'est le package machine qui va essayer, en plus de l'aspect driver, de vous simplifier la tâche pour plein de choses. Donc c'est là où on va déclarer l'aspect matériel. On sait que cette carte, elle embarque des néopixels, elle embarque un écran. Donc on va essayer de faciliter le boulot là. Et c'est là où il reste, à mon sens, beaucoup de travail. Ça a été fait sur le Gopher Badge. Et je pense que maintenant, il faut arriver à faire la même chose sur toutes les autres cartes, quoi. Il y en a encore trop où vous allez vous faire un pavé de déclaration avant juste parce que ça n'a pas été fait dans le package machine. Toujours est-il que c'est pas plus compliqué que de déclarer la LED WS2812. Après ici, ça va être la déclaration parce que c'est bouton A, bouton B, tout ça, mais il va vous falloir des variables pour les utiliser en dessous. Les boutons sont vus comme des entrées-sorties. Vous allez toujours avoir ce concept généralement de dire vous utilisez une broche. À un moment donné, il y a un brochage qui est fait au niveau du microcontrôleur. Vous lui dites si vous êtes plutôt en input, en output. Il y a ce genre de notion. Quel que soit le langage en embarqué, vous allez retrouver ça. Et après, c'est pareil, ça ne s'écrit pas de manière trop complexe. Donc ce que vous découvrez là, c'est que si je reviens sur la caméra, si vous avez suivi petit le code, bouton. Normalement... Attention. Ouais, mais sauf que là, je suis pas sûr que vous voyez les différences de couleurs. C'est ça. Si, ça va. Quand même. On reconnaît quand même du bleu. Oh, mais ils sont gentils. Il y en a énorme, qui veulent des pins. Ouais, c'est ça. C'est des clins d'œil, bien sûr. Hop, hop, hop. Voilà. Par contre, elle est un peu colère là. Je suis pas content. Voilà. Et donc, la fin du code, de toute façon, il n'y avait pas de. Non, voilà. C'est juste en affiché. On lui donne un objet qui représente les couleurs. C'est généralement cet endroit là pareil dans tout le langage, c'est un peu la même chose. La gestion des néopixels, vous faites un tableau qui représente l'état des couleurs que vous voulez et vous le passez sur le bus de données. Et le principe de ce protocole là, c'est que chaque LED sait quel est tel indice et elle vient piocher l'info. Donc ça garde le même principe, même si là je vous ai décrit une bande immense, il y en a deux, mais c'est la même idée. Ouais, c'est une énorme bande de deux. Voilà. Et quand même, ce serait dommage de se quitter sans le dernier aspect important de tout montage d'électronique, une fois qu'il brille et qu'il clignote. Je pense qu'il faut aussi qu'il fasse un peu de bruit. Non. Sinon, on est triste. Voilà, par contre, je ne vous garantis pas qu'au niveau de l'écoute, je ne sais pas comment on va faire. On va voir. Avec un micro, à côté. Je vais m'approcher. Non, Yann, tu veux. Non, on va essayer ça. Ah, mais tu es obligé de manipuler en même temps. Alors. Mais ils vont être sages, ils ne vont rien dire. Ah si, c'est fort, ça va. On entend quand même. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une richesse sonore qui vous garantit que, malgré la qualité du développement logiciel, il y a des gens qui sont musiciens, d'autres pas. Une chanson, clairement, une chanson. C'était pour vous dire clairement que les fréquences ne sont pas réglées sur aucune note de l'univers. Tu peux confirmer, Gouz, ça picote un peu. À peu près, quand même, tu vois, c'est ça. Voilà. Oh ouais. Et une dernière chose. Hop. Et le petit code, quand même. On va retrouver
la même idée. On récupère juste au tout début la broche qui va correspondre au buzzer. Ne faites pas ça, c'est fait par des professionnels. Hein. Une variable doit avoir un nom lisible et non pas buzzer. C'est buzzer. Pour dire buzzer, écrivez buzzer, je vous jure. Pardon, Daniel. Attention aux variables. J'ai fait une pull request juste pour ça, pour m'excuser. On lui précise qu'il s'agit, encore une fois, on fait appel au package machine. Il sait qu'il a un... Alors, c'est un buzzer, mais lui, il va l'appeler speaker, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on ne rende pas le truc encore plus confus. Normal. Et après, voilà, vous avez, en théorie, un ratio de fréquence par rapport à une fréquence de base qui doit représenter les différentes notes. Au passage, puisque je vous dis que ça permettait de faire du bruit, je vous invite à regarder le dernier talk de Daniel qu'il a fait au FOSDEM. Il y a une des prises qui permet de raccorder un ensemble MIDI, et là ça rigole plus parce que ça pilote quelque chose de beaucoup plus intéressant en termes de notes et de qualité musicale. Donc je vous invite à aller regarder ça, et après à la fin, voilà, c'est juste une boucle qui va aller vérifier quel bouton vous allez appuyer. En fonction du bouton, on sait qu'on va générer telle ou telle fréquence. J'espère que tu t'es bien reposé, Aurélie. J'ai pas dit que tu t'étais embêté, j'ai dit que tu t'es bien reposé. C'est le problème de bosser avec une star. Ah, ça y est. The floor is yours. En fait, bah, je tenais à vous montrer en fait, bah, là, bah, ce qui m'a fait, bah, du coup, découvrir Tainico, la GBA, la Game Boy Advance. Alors, avant de commencer, petite, on va dire, petite histoire très très, on va dire, très rapide sur la GBA. Il y a eu... T'as le chrono, tu racontes l'histoire de la GBA dans le temps que tu veux. Large. Le temps, pas trop fin. Alors, large. Trois heures, on peut le faire en trois heures, mais allez, on va faire un. Est-ce que tu peux faire mon assistante? J'aime bien mon assistante à dire. Donc, en premier, il y a eu donc, la GBA, la Game Boy Advance, l'original. Elle est jolie ou pas? Ouais, ça va. Une donc, vraie, gérée voici. Par une vraie collectionneuse. Une autre, gérée par un moins soigneux qui va acheter ses coques ailleurs. Elle est modée un petit peu. Donc, en gros, bah, ce qu'on va dire. Ah, je ne sais pas où elle est, je sais quoi. Hop, donc, en gros, donc, la GBA, elle a quoi? Elle a un écran, oui d'accord, c'est un c'est peu pas mieux. Mal, c'est une bonne base. Donc 240 x 160, avec 32 168 couleurs, tout ça, c'est beaucoup. Avec donc un pad, bah, ce qu'on va faire Yann, on va faire ça comme ça. Ah, pas les débords, reviens Léo. Alors, avec donc un, allez, je vais le faire en live cette main, avec donc un pad multidirectionnel, tic, 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 des petits boutons A, B et L et R en fait, et des pile en fait aussi. Et par contre, après, il y a eu donc la GBA SP. Assistante. C'est marrant à faire en fait. Donc il y a eu la GBA SP qui moi est la plus jolie. Pareil. Bah, elle, c'est pas ça? Qui est pareil, sauf que elle a donc un écran rétroéclairé. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très pratique parce que moi, en tout cas, donc, j'ai des souvenirs de la Game Boy. J'ai joué à la Game Boy quand j'étais dans la voiture de mes parents. Et je me rappelle que je voyais le jeu Tetris, je voyais que quand il y avait des lampadaires. Les flashs des lampadaires sur la route. Du coup, c'était comme ça. C'est comme oui, ça, et tu voyais rien, tu fais tout à l'aveugle, et je m'appelle de ça. Donc, quand vraiment, il y a eu la GBSP, c'était génial. Rétro-clé et une batterie. Donc, c'est aussi pratique. Et la troisième, c'est la GB Micro. Malheureusement, je ne la vois pas, Aurélie, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce si qu'on parle du vous en avez en une dans un placard qui dort, je la chouchouterai avec grand plaisir. C'est fait, check. Tu vois. Alors maintenant, ce qu'on va faire. On va s'attaquer aux démos, non? Oui ou non? Oui. Oula. Oui, je veux des démos. Oui. D'accord, ça arrive. J'ai compris, je suis vite, j'ai compris. Alors, ce qui est très cool aussi, c'est... Ah là, là, le meilleur moment, c'est là.
J'aime bien tout le reste, ils s'en foutent, mais... Oh. Non, mais je note la remarque, je suis d'accord avec toi, le bruit de démarrage du boot d'une PlayStation est aussi un son qui évoque quand même pas mal de choses. Mais ça, c'était quand même... La PS1, ouais. la GameCube, mais elle quand même, ça reste bien. Donc, la première démo qu'on va faire, c'est Aïe. C'est quoi ce truc? Aïe, 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 aïe. Donc, en gros... Tu vois à l'envers T'inquiète quoi pas. Ah, le texte, en fait. Du coup, bah, ça, c'est ICE. Et en gros, bah, ce que ça représente, c'est des quoi? Des... Ah. Assistante. Du coup, bah, voici une petite démo. Avec quoi? Avec deux yeux. Et ce que j'ai fait, c'est si je clique à gauche, les yeux, rien à gauche. À droite, en haut, interactif. Et en bas. Et quand ne même. Rigolez pas, il y a une époque, c'était un argument marketing quand il y avait interactif sur un jeu. Et attention, je me suis dit, bon, les yeux, ils sont à gauche, à droite, qu'est-ce que je peux faire? Avec entrée, c'est rigolo le petit ch'toum. C'est rigolo. Donc, cligner des voilà. yeux, tu vois. Prochaine démo, cligner des yeux. Je note, c'est une excellente idée. Je vais faire un petit ça rend blanc, vivant, noir, blanc, noir, blanc, noir. Je suis d'accord. Donc, du coup, ça, c'est la première démo. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va regarder, du coup, le code. Il est où, le code? Hop. Alors, où est le code? Hop, là, on va dans GBA. Et après, ouais. on va dans ICE. Alors, le code, en fait, il est simple. Donc, du coup, c'est encore une fois pareil. On a nos imports avec TinyDraw et TinyGBA que l'on parlera un peu plus tard. Toujours dans le fameux package X qui rassemble X. la Terre entière. On initialise le on va dire, screen, notre display, notre écran. On init des couleurs, bah, du blanc, du noir, comme on l'a vu. Et on a donc en premier le main, donc setup du display. Et on. Et on exécute et on appelle la commande initize qui fait tout simplement je veux quoi? Je veux des cercles. Je veux un cercle blanc qui est au x, y que je veux et de quoi? De taille? Non, de rayon en fait. Du coup là, tout je est veux possible dans les un gros. De, un ouais, c'est, rayon, en gros, c'est un x, y, r. Donc x, y et rayon. Donc. Taille 16, et je veux au même X et Y un petit cercle noir. Et du coup, j'ai eu cette idée, du coup, c'est vraiment simple après à mettre en place. Et après, bah, c'est passé. Donc, ce que je fais, c'est je lui dis, tu vas me lire mes boutons, et en gros, quand je clique sur le bouton bah, droit, qui est le pad en fait, à droite, et bah, je vais redessiner des cercles, mais avec des x et y qui ne seront pas les mêmes. Plus à gauche, plus à droite, plus en haut, plus en bas. Et c'est tout, en fait. Et vous avez là, à peu près, toute l'histoire du monde du jeu vidéo. Plus l'idée est simple, plus votre jeu va marcher nickel. S'il simple, y a besoin en fait. De deux cercles, faites deux cercles. S'il y a besoin de quatre triangles, faites quatre triangles. Des yeux, c'est des cercles. Et du coup, bah, ce petit programme, il fait... 2,7 kg. Donc du coup, il est vraiment très léger. Et si vous voulez, après, le code, bah, il est encore une fois sur le repo. Ensuite, on est large, en fait. À la fin, à la fin. Alors en fait, bah, ce que je vais montrer, c'est la démo 2 et 3. Et à la troisième démo, bah, j'en parle. Mais très longue question. Il faut effectivement, à un moment donné... Un indice, ça fatifie. Mais bah, je dis après. Tu n'y coupes pas. J'y coupe pas, David. C'est obligé. Donc là... Non. C'est pas ce que je disais. Donc, tu n'y couperas pas. Deuxième démo. Oui. J'ai jeté un peu parce que la batterie. Si, si, faut pas. Je plaisantais. Vous avez un truc à dire, dites-lui quoi. Ah. Donc la deuxième, c'est en fait c'est la démo que bah, c'est en gros l'application que j'avais du coup fait dans mon article en fait, qui est Gopher. Attends, je sais pas si on voit bien, mais ouais, c'est bon là. Si, c'est bon. Hein. Très pratique, couleurs, tu vois. Pour moi, c'est pratique, du coup. Donc, en gros, c'est quoi? Un petit texte, un deuxième texte, et qui me dit, tu appuies sur Start. Bah, ok, c'est encore. J'appuie sur Start. Et du coup, j'ai quoi? J'ai un petit
personnage que je peux amener à gauche. J'ai vu là, ouais. À droite. Interaction. En bas. Wow. En haut. Et, allez, je me suis dit, il saute aussi. It's me, Gopher, tu vois. Tu fais très bien Gopher-yo. It's me. Du coup, je vais à gauche, mais je me suis dit, parce que le problème, c'est que dans l'avion, j'ai vu quelques bugs. Par exemple, quand j'allais à gauche, bah, il sortait de l'écran. Et je crois qu'il y a un petit bug encore, quand je saute, il sort, mais après, je vais en bas, il réapparaît. Il y a un truc un petit peu chelou qui se passe, mais c'est rigolo. Je vais te faire découvrir des plateformes d'apprentissage de développement de jeux vidéo, tu vas voir, ça va être formidable. Ouais, alors grave, on ira faire des choses tout à l'heure avec Noé, ça va être extraordinaire. Et du coup, ce que je me suis dit, également, tu vas faire, si je vais appuyer sur le bouton L, bon, on ne le voit pas beaucoup, il change de couleur, et R si, également, si, en fait. Si, il a la couleur, on la voit mieux, là. Ouais, et du coup, je me suis dit, AB, c'est pareil. Et après, Start, il revient au milieu, et la bonne couleur du milieu, et Select, il revient sur la page départ. Mais dis-moi Aurélie, comment est-ce que tu as codé tout ça? Hein? Comment est-ce que tu as codé tout ça? Montre-moi. Alors, grâce à une petite application qui s'appelle Gopher. Alors en gros, bah, tu as les imports, les variables, la taille de l'écran, 140 sur 60, des petites couleurs, les couleurs à la Google, parce que Gopher en fait, les coordonnées du départ, la taille de la bordure, j'initialise la couleur du Gopher, sa taille aussi, et au début je dis que le jeu il n'a pas démarré, d'où un affichage du petit screen. Donc comme d'hab, comme on l'a vu, le display, le petit fort en loop qui écoute le code. Et du coup, en premier, bah, je vais, avec un tiny font qu'on parle aussi après, je vais afficher donc un caractère d'une couleur très différente. Donc avec Drochard, je ne peux pas le dire. Comme tu veux. Drochard. C'est toi qui as écrit le code. C'est rigolo à dire. Et après, bah, j'affiche une ligne. J'écris une ligne avec, tu appuies sur le bouton Start. À chaque fois, c'est le display, on le sélectionne. Donc la police que l'on veut, les coordonnées X, Y, le petit texte qu'on en veut et la couleur. Et après, c'est pareil. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme il n'y a pas de prise en charge d'image et de sprites, et ben, je me suis dit, je fais comment? J'utilise la fonte qui s'appelle Gopher. Donc en gros, ce que vous avez vu, le personnage, c'est une fonte. Ben, j'ai fait avec ce que j'avais. Du coup, bah là, on voit que les personnages, c'est une fonte. Et tant ça marche. Ça fonctionne, Aurélie. Il n'y a rien à redire. Oh, ils ont vu juste un jeu. Et pareil. Si vous deviez tous montrer votre code aujourd'hui. Ouais, c'est ça, en fait. Je suis sûr qu'il y a des choses petits, un peu louches. Des petits trucs à gauche, à droite. Mais du coup, tu dis que c'est pas du tout une fonte. Donc, c'est rigolo. Et pareil. Donc, en gros, tu as un affichage, en fait, du texte du départ. Je teste à chaque fois. Enfin, si c'est start ou pas, du coup, bah, après, si je suis dans le mode où j'appuie sur start, et bah, pareil, ce que je fais, je mets mon petit personnage en XY avec couleur black, comme ça, on ne voit pas. À chaque fois que je fais avancer, en gros, c'est une petite feinte pour que le Gopher, il a une sensation de être plus à gauche. Plus à droite. Il y a un petit. Tout en faisant attention au chronomètre, je vais me permettre une légère aparté. J'adore voir Aurélie faire tous ces exemples de code parce qu'en fait, elle apprend au fur et à mesure tout ce qu'un développeur de jeux vidéo doit découvrir aussi à un moment donné. Mais non, mais c'est très intéressant de voir que. Tu as une galère, j'ai fait quand même. Oui, mais forcément, il y a un moment donné, tu galères, mais c'est pas grave. C'est de se dire, voilà, de jamais hésiter. Je pense que c'est une des formes de code et de développement pour en avoir fait à une certaine période. Où on est obligé d'être encore plus créatif parce qu'on est forcément en train d'essayer de rendre une intention, chose qu'on fait quand même un peu moins souvent avec nos applications plus classiques. Donc, peu importe la façon dont on a masqué ça derrière, il faut juste que ça donne l'impression. Et donner l'impression dans le jeu vidéo, j'adore la façon dont tu as redécouvert absolument tous les principes de base d'un développement d'un jeu vidéo. Donc, l'exemple peut servir à ça aussi, si vous voulez vous former un petit peu aux idées. Elle a découvert ce que c'était une boucle de jeu aussi au mieux, comment dire ça. C'est masterclass, une fois de plus. Et du coup,
qu'on n'est pas large du tout. Donc la troisième démo, et c'est une démo, honnêtement, je suis très contente parce que pour l'une des premières fois. Voilà, les petits sont toujours. Pour l'une des premières fois, mon mari y a joué ainsi que mon adolescent de 13 ans. Du coup, j'étais contente. C'était sympa pour moi. Donc, dernière démo, on va voir qui sont les plus vieux en fait. Oh, j'aime pas quand tu dis ça, je me sens visée. En le regardant. Qui se rappelle de ça? C'est quoi? C'est le? Le télécran. Donc, j'ai fait un télécran. Tout en haut, il y a un indice. J'ai fait un télécran avec en haut marqué télécran, à gauche, à droite, un petit gopher quand même. Redescends un peu, ça fait un peu flou. Comme nickel. Ça? Super. Et du coup, bah, c'est comme le télécran avec gauche, je vais à gauche, avec droite, je vais à droite. Je ne sais pas ce que je peux vous dessiner, tu vois, mais en gros, bah, c'est simple. C'est un télécran. Si je vais à gauche, ça ne dessine plus. En bas, pareil, parce que j'ai fait pareil, les bordures. Bon. Aurélie, ça suffit. Tu as peut-être rangé ta chambre, allez, il faut que tu arrêtes alors. De jouer. Il y a des gens qui veulent savoir comment on compile le binaire à l'arrivée. Mais oui, alors, ah, du coup, donc on va voir le code et on va voir comment bah, le code, il allait de Stordi là, à ça en fait. Il a fait comment le code en fait, il est quand même très semblable au code de Gopher, vraiment très semblable. Je pense juste... qu'ils nous pardonneront s'il n'y a pas de détails sur le code, je crois. C'est là, on est vraiment très large. Donc juste le truc, on est large. Ouais, on est vraiment très large. Non, mais du tout. Du coup, le truc, c'est que comment tu mets du code là à là. Tu as Tinygo Flash qui sert à flasher, mais tu n'as pas de câble en fait. Tu n'as pas de câble entre ton ordi et là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Tinygo Build, qui lui build l'application dans une ROM. Une ROM. Oui, et puis appuyé dans une ROM. Et après, ce qu'on a fait, la ROM, on l'a mis dans une micro SD. Je vais sortir, vas-y. Sors ta carte. Et la micro SD, on le met dans un linker. Et parce que le linker, ça fait office de cartouche. Donc en gros, tout ton code, tu peux le mettre dans une cartouche à toi. Et c'est cool quand même. Quand chez toi, t'as vraiment tes jeux à toi, c'est très sympa. Bien entendu, ce genre de produit s'achète pour développer. Oui, pour développer. Donc, les Pokémon, machin, on les achète. Peut-être que ça marche aussi, mais... Donc, le gopher, il faisait 33K. C'est une grosse appli. Et celle-là, moins ou plus. Bah, celle-là, il faisait 14K. Ce qui est lourd, c'est... La fonte. Les fontes. Ils sont super lourdes, mais ils sont vraiment super lourdes. Et gros, c'est super lourd. Donc, vraiment, c'est léger, c'est cool. Une commande, c'est la Tinygo Build. Qui nous sert du coup donc, à mettre le code dans l'appli. Et ce qui est cool, même si les GBA, vous n'en avez pas, vous pouvez tester vos applis, tester vos codes avec MGBA qui est un émulateur. Passez-nous voir après, je vous ferai une démo sur la machine s'il y en a que ça intéresse aussi. Des outils pratiques en vitesse de la lumière. Tiny Draw, que l'on a vu, ça permet de dessiner des figures, des triangles, des carrés, des ronds, des cercles. Et on peut les mettre vides ou avec la couleur à l'intérieur. Les formes géométriques de base. Tiny Font, ça permet d'afficher du texte avec des polices. Et par exemple, on peut faire des effets sympas. On peut faire des rotations de texte et des rotations de couleurs. Faire vraiment des trucs sympas avec. Oui, c'est bien fait. Et quand on est comme moi, que l'on utilise une fonte pour un jeu, parce que j'ai fait, j'ai utilisé TTF Playground, et comme ça, j'ai pu tester pour chaque touche de mon clavier, c'était quoi qui il se mettait en fait. Par exemple, ça c'est A, B, C, D, etc. Donc par exemple, mon petit gopher, c'est B, X, K, etc. Donc avant, j'ai du coup dû regarder avec cet outil. Qui est ou alors super créer sympa. Votre fonte vous-même et vous saurez où se trouvent les touches, mais c'est aussi un boulot. T'inquiète pas, c'est en préparation. Tiny GBA, alors ça, je suis très contente. Parce que quand j'ai commencé à écrire mes articles, à tester, ça n'existait pas. Donc moi, le code que je faisais, c'était ça. Donc une nulle en électronique a dû faire ça, en fait. Ça va pas. Et du coup, ce qui est très rigolo, c'est qu'avec mon article, avec mes expérimentations, avec mes galères, on a eu quand même Ron Evans qui a créé TinyGBA. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le code que j'avais fait dans mes applis et il a mis dans une librairie. C'est franchement, je trouve, génial. C'est super. Donc, utiliser TinyGBA, c'est pratique, en fait. Parce que gauche à droite, il n'y a pas photo.
même si les petites cartes, vous n'avez pas, vous pouvez tester aussi du code avec le Tiny Go Playground. C'est comme le Go Playground, sauf que là, ça émule. Alors, ce n'est pas compatible avec toutes les cartes du monde, mais ça vous permet vraiment de tester. Par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est on a testé Hello, les Riot Lovers, c'est un mal. Et du coup, ouais, c'est super pratique. Il y a une extension VS Code qui permet vraiment de dire à VS Code, attention, ceci c'est du Tiny Go et c'est pas du Go. Vous verrez rapidement la différence quand vous utilisez les deux. Il faut bien avoir les deux extensions, sinon ça se croise. Et les ressources, très important, donc le repo qu'on a fait, nos articles, le super article de Philippe, et un petit Slack où vous pouvez mettre toutes vos questions. Et maintenant, t'es large. Je suis large. On va dépasser donc. Plus 15 large. Secondes. Oh, mais là c'est rapide. Voilà, mais je vous en ai déjà parlé de toute façon. Il y a quand même quelques. Si vous vous lancez là-dedans, il faut savoir que la documentation a beaucoup progressé. Elle est loin d'être exhaustive. Elle est propre, mais complexe à aborder pour un débutant, je trouve encore. Les exemples de Gopher Badge ont fait vachement progresser ça. Voilà, les exemples pour les différentes cartes ne sont pas tous forcément à jour. Mais, grâce au Gopher Badge, vraiment, je trouve que ça a été la bonne initiative pour un projet de ce type-là, d'avoir une carte emblématique qui va permettre de focaliser les efforts pour les débutants. Et je suis convaincu qu'il y aura une deuxième carte moins chère et plus simple qui sortira aussi derrière, qui permettra vraiment de s'adresser aux débutants. Parce que je pense que c'est nécessaire et que tu peux pas partager avec des gens qui n'ont pas déjà des connaissances, c'est un peu, c'est un peu gâché. Les drivers. Très important. En version expérimentale, elle vous l'a évoqué tout à l'heure. Ça peut changer du tout au tout, mais c'est un jeune projet. Si on réfléchit bien, c'est un jeune projet. Donc c'est normal qu'il y ait encore toutes ces évolutions-là. Parfois, c'est commencé, pas terminé, mais j'ai envie de dire, c'est le lot de tout projet open source où les gens mettent de leur temps et de leur énergie, malheureusement. Et par contre, c'est bien parce que ça permet d'apprendre un nouveau langage, ça permet d'apprendre un style de programmation, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vous allez apprendre des choses dans plein de domaines. Je ne désespère pas de montrer un fer à souder à Aurélie pour montrer comment ça fonctionne. Je suis sûr qu'elle va s'éclater. Vous allez pouvoir bricoler plein de choses. Et ça, Aurélie, vu tout ce qu'elle fait déjà avec ses GBA, si en plus elle peut les coder, je pense que c'est bonus. Donc du coup, à vous de jouer maintenant. Ouais, à vous de jouer, en fait. À vous de jouer. On attend vos contributions. Ouais. Merci beaucoup. La petite triette quand même. Petit QR code avec tous les liens, toutes les ressources, les slides, tout ça. Je vais me baisser.